Bonjour à tous, Nicolas Delpech, préparateur physique et développeur de l'application Coach. Voilà, je vous propose de regarder en détail le, dans le training complexe. Donc je vais cliquer dessus et nous on va s'occuper des, des exercices, des programmes qui s'appellent couleurs. Donc vous voyez, il y a couleur 1, 2, 3 et 4. Donc vous allez tout voir tout simplement. Le premier programme qui s'appelle Couleur 1. C'est un programme où il va y avoir écrit le mot par exemple rouge sur un fond bleu. Tout simplement. Donc c'est à vous, coach, de vous dire, voilà, moi je vais que à ce qui est marqué avec l'écriture, ou alors que à la couleur du fond. D'accord? Vous avez toujours l'explication là sur le I de info. D'accord Si vous ne vous rappelez plus. Mais normalement, on essaye de mettre le détail, vous voyez, euh, le détail avec le petit dessin pour comprendre tout de suite. Donc pareil, quand je rentre dans couleur info. On a la même chose que d'habitude. Je peux choisir le nombre de plots entre 2 et 5. D'accord Et donc forcément, euh, j'ai mes couleurs. Par contre, vous voyez, là, je vais mettre 4, par exemple. Mais je peux choisir que 3 couleurs ou 2 couleurs différentes. Vous voyez, j'ai enlevé le vert et le bleu. Là, je le rajoute. Là, je les enlève. Ça vous permet d'avoir plutôt 2 rouges et 2 jaunes, si vous voulez. Ça, c'est euh, si vous voulez changer. Avoir 4 plots, mais de couleurs différentes. Et pour la durée des signaux, c'est comme le training simple. Vous pouvez varier le, la durée du signal, le temps en libre ou alors en répétition, ou alors vous pouvez sélectionner euh, un travail fractionné. Voilà. Maintenant, le couleur 3. Donc, vous voyez, il est plus compliqué, le couleur 3. Il y a trois indications possibles. La couleur du fond, la couleur de l'écriture, d'accord, donc là, c'est vert, et la couleur du texte. Donc là, c'est écrit le mot rouge. Donc, vous avez trois données différentes. À vous en tant qu'entraîneur, de choisir et de dire avant de, la session, avant l'athlète, de dire, voilà, tu vas à la couleur de l'écriture, ou tu vas à ce qui est écrit en texte, ou alors en fond. Voilà, donc là, c'est le troisième, c'est le plus compliqué. Vous avez le deuxième qui permet d'avoir la couleur à l'intérieur de l'écriture, et un nom d'écriture différente. Voilà, donc vous avez deux petites choses différentes. Et le troisième, en fait, euh, voilà, le couleur 4 le Couleur 4, ça vous permet en fait de mixer les trois que vous avez vu. On va avoir la couleur du fond, la couleur du texte et le nom de la couleur. Et en fait, juste avant qu'il y ait le signal, et bien l'application va vous dire tu vas au fond, donc à la couleur du fond, tu vas à la couleur du texte, tu vas à la couleur qui est indiquée sur le texte. Voilà, et en fait, ça va se dérouler au fur et à mesure. donc Par exemple, je vais vous le montrer Vous voyez, vous avez. On va dire, voilà, j'ai 3. Je vais mettre 2 secondes entre les signaux. On va mettre 5 couleurs. Voilà. Là, je me mets en libre. Et là, vous allez voir. Voilà. Là, on va au fond. Donc là, j'irai par exemple au violet. Là, on va à la couleur du texte. Donc, je vais au bleu. Là, on va au fond. Donc, je vais au vert. Là, je vais au nom de la couleur. Donc, c'est écrit le vert. Là, je vais à la couleur du texte, donc c'est violet. Là, je vais à la couleur du fond, c'est bleu. Là, je vais à la couleur du fond, c'est jaune. Voilà, la couleur du texte, c'est rouge. La couleur du texte, c'est violet. Voilà, le nom de la couleur, c'est jaune. Voilà, et au fur et à mesure, vous avez des données juste avant. Donc comme ça, les athlètes, ils, ils se concentrent et puis ils vont à la donnée. Donc c'est assez compliqué, hein, je ne vous, je vous le cache pas, cette variante-là. Donc essayez de ne pas mettre forcément 5 couleurs au début, hein, mais euh, ayez toujours en tête d'augmenter la, la quantité de couleurs, le nombre de signaux au fur et à mesure. Voilà, Eh bien on se verra pour une prochaine vidéo. C'était pour l'explication des couleurs 1, 2, 3, 4. Merci à vous, à bientôt.